Alors, je suis Rémi Chaillet, j'ai fait pas mal d'illustrations, j'ai commencé par faire un petit peu de storyboard de pub, ça m'a doucement amené à l'animation, j'ai fait une sorte de tour de France de l'animation en passant par Angoulême, les Cévennes, la Fabrique, Praxinos à l'époque à Montpellier, à Arles, puis à Valence à la Poudrière, et ça m'a amené vers le long métrage via l'assistant réalisation, je sais pas comment on dit, l'assistanat de réalisation d'abord de Tom Moore sur Brendan et le secret de Kells, puis le tableau de Jean-François Laguillonni. Debout, princesse. Tout en haut du monde, c'est une aventure qui a démarré à la Poudrière. J'étais étudiant tardif. J'ai fait la Poudrière alors que j'avais 30 et quelques balais. Il y avait une prof de scénario qui s'appelle Claire Paoletti qui m'a proposé son projet. Je peux avoir des blinis plutôt? Avec du caviar aussi. Je te donne 10 minutes pour te préparer. Toute la période où j'ai conçu ce film en tant que graphisme, je cherchais à la fois un style graphique, mais un pipeline lié à ce style graphique. C'est-à-dire que j'avais conscience et j'avais vu au travers des différentes expériences que j'avais eues dans le dessin animé que le temps de fabrication et la façon, donc il y avait beaucoup d'énergie qui se perdait, notamment surtout en 2D. Avec chaque projet de film, avec chaque histoire, avec chaque idée d'histoire, il y a une multitude de projets possibles, quoi. Et j'ai trouvé ça assez beau parce que du coup, il n'y a pas de vérité, quoi. Il n'y avait pas qu'une seule solution. Nous, on en a pris une. On a fait avec 72 minutes d'animation. On a fait 80 minutes de film parce qu'on l'a un petit peu laissé, on l'a laissé respirer, quoi, on va dire. Donc ça voulait dire qu'on faisait des expressions fortes, on faisait des pauses fortes. C'est dans cette rythmique-là, dans cette façon d'aller d'une pause fixe à une autre pause fixe, qu'on essayait de faire apparaître l'émotion, quoi. Mais c'est, bon, en tout cas, on ne faisait pas des « Ah, mais que se passe-t-il ? » Voilà, enfin, les films 3D sont bien budgétés, enfin pour certains, et les films 2D le sont de moins en moins. On a une sorte de désintérêt du public vers cette forme artistique, quoi. Et ça m'inquiète un peu. De moins en moins de moyens et de moins en moins de succès. Donc de moins en moins de succès, de moins en moins de moyens, donc de moins en moins de moyens, de moins en moins de voilà, on est un espèce de truc comme ça. Donc moi, mon prochain film qui s'appelle Calamity, une enfance de Martha Jane Canary, je sens qu'il va falloir que je le fasse pour moins cher. Ça me pend au nez. Inventer l'enfance de Martha Jane Canary. Elle est dans un convoi de pionniers qui fait la route de l'Oregon. Et à la suite d'un accident, elle doit s'occuper des chevaux, elle doit s'occuper du chariot, elle doit apprendre à conduire le chariot. C'est une expérience dont elle a parlé souvent en disant que ça avait été très constructif, très, très, très important dans sa vie. Et parce que c'est le moment où elle avait appris à faire du cheval, elle avait appris la liberté, elle avait appris la vie des garçons. Elle s'est assumée en tant que femme avec une liberté totale. Elle s'habillait en garçon, elle s'habillait en femme, elle était danseuse, elle était cow-boy. Et donc c'est ça qui m'intéressait, quoi. C'est cette liberté qu'elle s'est donnée à un moment où rentrer dans un saloon pour une femme, c'était impossible, quoi. Et que comme elle a du caractère, quand on lui demande de revenir en arrière, ça ne va pas être possible.